Ah. Et on a l'aspic. Nice. Ah, c'est cool, on proc des mecs qui veulent gagner. Ramus, Timo, let's go. Bon, c'est un OTP. Lui, c'est un first time Ramus. Ok, ok. Il y a 2 millions de points sur le Timo. Vous aviez pas la select. Dans la game d'avant, il y a eu des subs. Ouais. Lums, le sub gift, je sais pas si j'avais dit. Attends, je vais Altab. Twars TV, les 2 ans. Lums, le sub gift. Gastric Pingouin, les 8 mois. Jojo, les 10 mois. Neketsu, les 4 mois. Bronze Sox, les 5 subgifts. Kyrostolkus, les 11 mois. Et Iso Wave, les 16 mois. Merci pour ça. En fait, à part péter les couilles, ça sert à quoi ce qu'il a fait là? Rien. Et je Twitch, hein. Ok. En vrai, si la Kiana joue un peu le perso et qu'il est bon, je vois vraiment pas ce que je fais, mais bon. C'est le Smurf en low master, hein. On devrait pas non plus être trop inquiet. J'espère que le Ramus va beaucoup ganker et pas FK farm, ce qui joue contre Karthus. Il sert pas W. Quand même pas me faire gank par un Karthus level 3 là. Ouais, elle va Q-spell. Elle a 3 potions, hein. On n'est pas forcément si gagnant que ça, car tu sais top. Hop, de goût du sang, il a réussi à mourir. Et elle va back, il a pas de mana. Si je charge plus la roue, elle aurait flash ou un truc comme ça, donc je voulais tenter avec le minimum de charge. C'est ok, elle base, j'ai 10 CS+. Le problème, c'est pas vraiment maintenant, ça va être à partir de ce reset qu'on va avoir du mal. Qu'est-ce que je fais en stuff? Attack speed, des bots. Je vais faire ça, je pense.
On va quand même jouer composant. Elle va faire pareil. Yep. J'ai pas de pink, mais... c'est fine. C'est un Karthus. Genre, il va pas vraiment ganker au mid. Si il gank au mid, c'est s'il appuie sur R parce qu'elle mourra route et qu'elle moline, quoi. Ce qui va d'ailleurs être un sacré problème. Elle est SS. Elle est mid. Je pense que c'est Ward. Elle perd toute la wave là, c'est quand même un bon gank. On voit Karthus. Il doit être proche de son level 600 El Karthus s'il a un kill de l'early. Et slash mon grand. Je meurs pas, je pense. J'ai encore l'exhaust. Je savais qu'il allait flash. Du coup, j'ai mis mon E derrière lui. S'il avait été correct, le mec aurait flash un peu sur le côté, je l'aurais pas tué. Mais bon, je voulais pas commit l'auto. Je veux pas donner de kill à Karthus, c'est important de pas lui donner. Et notre rôle, les solo queues, c'est littéralement genre... mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment une bataille navale, genre. Bataille navale, sauf qu'à la place des bateaux, j'ai des, bah, des étrons, en fait. Bataille merdale. Genre... Et tu sais, j'ai la flemme d'activer le chat et de les ping pour leur dire ce qu'il faut faire. J'ai pas de R. Je vois pas trop comment la tuer. Elle est loin. J'ai pas de R, quoi. J'aurais pu W, mais je veux le garder si elle reste. Elle fait l'erreur de rester, je la RZQ. Elle est morte. Après, elle avait des potes qui tournaient. 15 secondes le Q. Faut que je fasse gaffe à pas commit parce qu'elle a son certainement son R et Karthus a le sien aussi là. Elle a base. Du coup j'ai une free plate. Ça en fait du monde. Faire de l'économie de mana là. Il peut R. Has been slain.
Next wave into base. Il a pas de flash. Juste Gnar va pas tarder et il peut dash sur la wave et me tuer. Il est mid, ok. J'ai réduit une plate ou pas? Parce qu'à mon avis, il fait ses golems où il est parti base. Ah, il est là. Les golems sont gone, en fait, j'ai pas vu. Bah, cette game, c'est... pas trop mal, hein. En vrai, Riftmaker, ça va arriver assez vite. J'ai un farm correct dans la game. Je devrais être à 16 minutes, mais là, le move au top me fait perdre pas mal. J'ai deux plates. Un kill, une assist. En vrai, de vrai, on est bien. Elle arrive à faire un free kill sur un clic droit random. Je vais pas la commit river, je vais focus plate, c'est beaucoup plus safe pour moi. Ah, il est encore là, casse tes couilles ce fils de pute. Je suis mort. Ah ouais, bah. Ok, ok. J'aurais dû faire un point. J'aurais dû faire un point. Je le tuais, je pense. Après, il avait peut-être son flash. Parce qu'il a pas flash sur le move là. Ouais. Je sais pas si elle me rattrapait sans le Gnar. Je pense que oui quand même. À le prochain W. Je pouvais flash après. Je vais flip ça. Elle a deux kills du coup. Oh yo yo. Là. Tu sais que ça va taper la wave là. Non. Je pensais. Riftmaker, c'est tellement pas ouf dans la game, mais ça m'aidera à tenir. Ça me régène sur les air cartus ou quoi. Je préférerais jouer Luden en fait. Mais de toute façon, je suis pas solo AP donc c'est de la merde de jouer Luden. C'est 100 fois mieux Rift. Il est mort. Il va air, hein. Il est mort le truc. Ouais. Vraiment nul, hein. C'est un truc de fou. Mais pourquoi MF est mid? Je suis obligé de me battre avec mon ADC en 0-3 pour avoir du farm. Juste va bot en fait. No salvation.
Your turret has been destroyed. Ça va être très dur. Je vais faire de mon mieux pour les carry, mais franchement, j'y crois pas trop cette game. À partir du moment où elle fait un Mikael, enfin lui déjà une cleanse, donc je pourrais jamais le turn. Mais on a Ramus pour le switch. Et c'était quand elle fait un Mikael pour les autres, il y a déjà deux paires de Mercure. Ça va vraiment être dur. Mais bon, ça fera mieux. C'est bon. Mikael, Zonia, deux Mercure et une cleanse. C'est pour ça que dans ce genre de game, Kaisa, j'aurais préféré avoir Kaisa, tu vois. S'il m'avait lanterne ou quoi, c'était pas mal, hein. Your turret has been destroyed. Ah, je peux pas. Je peux pas, un Q-spell me tue et je vais pas flash pour ça. Il a pas flash le fight d'avant, il me semble. Encore assez d'AP pour le tuer sur le R. Nash, hein. Ils font Nash. J'arrive. Et 20 secondes de l'air.
bloodshed carries a price. Cowards flee their fate. Ah, c'est vrai, non? Il fait pas de zonial le Cartus, donc. Je suis bientôt rabat, non? Elle fait Michael. Être commis dans le pit. C'est pas trop mauvais d'aller sur lui. Il a le méga sûrement. Je peux pas les carry, ils sont trop bad. Littéralement une team diff, hein. Je ne peux juste pas jouer. Le mec fait rien, il est horrible, mais. Enfin, il fait 2-8. Y'a rien. Le Ramus essaye, mais son perso pue la merde et il est en first time. Je sais pas trop pourquoi il joue Ramus dans la game, mais. Y'a rien à faire. Hein. Le Cartus est level 16, il appuie sur H sur midlife. Il y a une auto de Twitch qui part avec un Vendami, je suis mort. Après, je one-shot quasiment tout le monde, mais. Mais bon, ils font que de l'ARM, il y a que moi dans le game. Malmortus. Quand il a. Mercure, Force of Nature. Je sais pas, d'Exos, il est invisible là, le Twitch.
Pour Rabat donc quoi. Un cagole. J'ai Rabat, non. On va calmer un peu le Twitch, parce que faut bien lui faire comprendre que non, si ma team n'était pas des chiens, tu ne peux pas faire ça, bro. J'ai oublié Zonia, je pense. Plus que Banshee. Je sais pas, en vrai. Parce que je peux me régénérer avec ça, mais... Pff. Zonia Shadow Flame. Hein. Enfin, Void Staff plutôt en vrai cette game vu qu'il y a full RM. Mais je sais même pas si Void Staff c'est un si bon item que ça sur Varus Staff parce que. Tu fais pas que des dégâts magiques en vrai. Je sais pas. Mais je pense que ça aurait quand même plus de valeur que le Shadow Flame cette game parce que. J'ai pas beaucoup de pénéflat et y a pas tant de shield que ça quoi. Si la clean summit j'ai pas vu. Il y a Twitch derrière lui, non? Heureusement, les games sur le Smurf sont assez XD. Merde, je voulais vraiment pas honorer ce mec. C'était agréable. Bon, on a le temps de se